Alors, quand Guillemin commence à nous parler de la Commune, il fait un rappel des épisodes précédents en nous rappelant ce qui s'est passé pendant la Révolution française. C'est super important pour comprendre aujourd'hui de comprendre ce qui s'est passé vraiment pendant la Révolution française et pas le roman national qu'on nous raconte, que nous racontent les possédants pour obtenir notre soumission, notre résignation. Non, non, ce qui s'est passé vraiment, c'est important de comprendre ça. Et je ne dis pas que Guillemin dit la vérité absolue là-dessus, il peut se tromper, hein, mais c'est un boulot important pour comprendre aujourd'hui. Et donc pour penser demain, imaginer un autre demain, c'est important de comprendre comment on s'est fait enfumer en 89 pour pas que ça recommence la prochaine fois. Et donc, il y a une conférence sur la Révolution française et Robespierre qui dure 2 heures, de Guillemin, qui est une merveille, je crois que c'est la meilleure conférence de Guillemin. Ça ne m'est pas arrivé la première fois, mais depuis la 2e ou la 3e fois, je pleure à chaque fois à la fin. Enfin, c'est vraiment, elle est émouvante au possible. C'est une conférence importante, la conférence sur la Révolution française et Robespierre, elle est poignante. Mais on n'avait pas la série de 15 comme on avait eu sur la Commune, sur l'avant-première guerre mondiale, on n'avait pas la série de 15. Or, elle existe. Il a donné cette série de 18 conférences et on ne l'a pas en vidéo, on ne l'a même pas en son. Elle doit exister en son parce que le gars qui a pris en note, il doit bien l'avoir enregistré le truc. Donc on va peut-être finir par retrouver ça. Mais pour l'instant, existe le bouquin de Guillemin qui s'appelle 1789-92. Ça, c'est la première fausse révolution, c'est la révolution des riches qui prennent le pouvoir aux nobles et aux princes. Et puis 1792-1794, qui sont les deux ans, les deux seules années de la République depuis 200 ans, où le peuple a vraiment été représenté par des gens qui cherchaient. Alors, ça se discute, je sais que c'est discuté. Je sais qu'il y a des débats et ça m'intéresse de savoir en quoi, même avec Guillemin, on se fait encore enfumer et où il y a des gens qu'on considère comme des héros. Moi, pour moi, Robespierre, je sais bien que personne n'est parfait, mais Robespierre me paraît être une figure tellement incorruptible, tellement dévouée que j'ai du mal à lui reconnaître des vices. Mais c'est pas bien, parce qu'il y a sûrement des vices, hein, puisque personne n'est parfait. Donc il faudra, en discutant, arriver à savoir où est le vrai, quelle est la part de bon et la part de mauvais dans Robespierre aussi. Mais donc le bouquin de Guillemin sur la Révolution française, c'est un monument. C'est absolument passionnant à lire. Alors, bon, on ne s'embête pas une seconde. Enfin, moi, je trouve que c'est un sujet de lecture passionnant.